Je vous propose de faire une crème pâtissière inratable. Pour faire la crème pâtissière, il va vous falloir 300 ml de lait, 35 g de sucre, 30 g de farine, un œuf et du sucre vanillé. En premier, je mets le lait à bouillir. Ensuite, dans un bol, je mets les deux sucres et l'œuf que je vais faire blanchir. Quand le mélange œuf-sucre est prêt, je mets la totalité de la farine. Le lait commence à frémir, je vais le retirer du feu et le mélanger doucement à ma préparation. Donc progressivement, je vais rajouter le lait. Alors je fais comme ça, ça évite d'avoir des grumeaux. C'est surtout ça, elle est inratable comme ça et on n'a pas de soucis. Donc là, le mélange est prêt, je vais remettre le tout dans la casserole. À petit feu, je vais laisser cuire pendant 5 à 10 minutes la préparation, tout en tournant, comme ça. Quand vous voyez que ça commence à accrocher sur la spatule en bois, il faut retirer du feu et le laisser refroidir. Voilà, ma préparation a épaissi. Je vais la laisser refroidir et ma crème pâtissière est prête à servir pour les gâteaux.